Salut, salut les amis, pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est une petite vidéo sur la 88, retour du road trip. Je vous ferai une petite vidéo pour vous répondre à vos questions. Je ferai un live d'abord et après, je renoterai un peu les questions et je vous ferai ça. Donc, n'hésitez pas en commentaire à balancer vos questions sur le road trip. La petite 88 est là, je vais vous présenter vite fait l'atelier, on va dire, ce que j'ai aménagé et ce que je vais faire sur la 88 aujourd'hui. Bon, alors, voilà. La 88 avec son retour de périple. Qu'est-ce que je peux vous dire vite fait? Bon, ben, vous connaissez le clip, vous connaissez le booster, vous connaissez un peu moins ces deux. Je me suis fabriqué ça. Donc, c'est un lit médical, si vous voulez, manuel, comme ça, sur roulette. Je peux le mettre n'importe où et à hauteur. Donc, voilà. Pas plus compliqué que ça. Avec une petite planche et tout, je me suis fait une petite rampe maison. Donc, ça, c'est parfait. Je vous montre vite fait mon aménagement. J'ai acheté à Leroy Merlin des 40 balles des étagères. Je m'en suis deux avec des caisses. Ici, c'est la partie, on va dire, mob. Bon, FZ1 et tout ça, c'est la moto. Mobilette, là-bas, booster. Là, c'est le bordel. En arrière-plan, je sais que vous allez me le dire, c'est la fameuse merguez qui doivent recevoir son AV10 qui est préparé aux petits oignons. Mais on en reviendra plus tard. Donc voilà la 88. La 88, qu'est-ce que j'ai à faire? Déjà, ce fameux écrou, donc j'ai fait ça, je l'ai perdu hein, dans le road trip. J'ai aussi, du coup, merci Vincent qui m'en a donné un entièrement d'origine. Je tiens à le préciser parce que on en a rigolé tellement. Donc voilà, j'ai ça à monter. Petit focus. J'ai ça à monter dessus. Donc tout d'origine avec les rondelles, tout ce qui va bien. Après, pour revenir, j'ai réparé mon robinet, il commençait à fuir. Alors déjà, j'avais des joints un peu plomberie, vous savez, papier. J'ai mis des joints cuivre, déjà. Je pense que c'est un truc à faire au final. Joint papier, je pense que c'est une grosse connerie. Et il fermait pas. Alors ça, c'est un truc, moi, qui me rend fou. Je voulais absolument pas mettre un neuf noir, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un coup de soufflette dedans. Qu'est-ce que j'ai mis comme produit? J'ai mis du nettoyant frein, etc. J'ai bien soufflé, l'ai fait fonctionner, etc. Bien, j'ai mis du WD, je l'ai refait, soufflé et tout, et bizarrement, il fuit plus du tout. Donc peut-être avant de le changer, déjà essayer au moins de bien le nettoyer et voilà, peut-être bien graisser les joints dedans, je sais pas. Moi ça a marché. Donc je vais revenir aussi sur mon support maison. Donc je me suis fabriqué ça, voilà pour juste pour vous le montrer quoi. Donc avec ça c'est des pattes que j'avais récupérées, mais on peut très facilement se les fabriquer. C'était des pattes que j'avais récupérées sur une sacoche. Avec un petit fond, voilà, c'est une petite bricole que j'ai fait vite fait, mais qui m'a été très utile hein, et que je vais garder d'ailleurs précieusement. J'ai mis ça, vous voyez, c'était pour le. Pas trop que le. Celui, il était sur le garde-boue, celui-là, et celui-là sur l'amortisseur. Donc voilà, j'ai fait ça. Ouais, dites-moi posez-moi les questions sur le road trip, comme ça sera fait. Et donc là, la chose que je vais vous parler, ça va être ceci que Vince m'a vendu offert, on va dire. Donc voilà, c'est ceci que Vince m'a vendu offert, on peut dire ça. Donc c'est un condensateur. Alors pour ceux qui ont suivi, moi j'avais le condensateur de eBay, rond. C'est au final la même chose que ça, le même principe, sauf que eh bien, il est dans la boîte en plastique, et cette boîte en plastique, eh bien, ça fait surchauffer forcément. Ça ventile moins. Donc il m'a donné celui-là. Par expérience, on va dire, je vais garder l'autre, voir s'il claque. Si c'est combien de temps ça dure sans faire des grosses balades comme on a fait, des grosses températures, des gros kilométrages. Donc celui-là, je vais me le garder en réserve. Mais clairement, il est forcément mieux. Donc je voulais quand même vous en parler. C'est un mec qui vend ça sur eBay. Pas plus cher, voire moins. Donc petit conseil. Et la dernière chose, je vais filmer peut-être vite fait. Mais la chose que je veux faire, c'est vous montrer en fait ce fameux. Si vous voulez, je vais démonter, je vais vous reprendre. Mais en fait, quand j'accélère, j'ai vu ça pendant le périple, ben mon boisseau il se fout pas à fond. Et c'est pas une histoire de cale. Je me demande, j'ai vu des vieux écrits, on peut dire, du manuscrit, comme quoi ben, ça pourrait être bridé. Qu'il y aurait une petite cale allumée. Donc je m'embarque dans quand même un sacré bazar parce que la poignée. Oula, voilà. La poignée est assez compliquée, je pense. Il va falloir que je change le câble. Mais voilà. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, c'est le truc, et vous dire vraiment si elles sont bridées. Je vais démonter le carbu et vous montrer ça de suite. A few moments later. Là je suis à fond, donc j'ai pas mal d'ouverture en moins. Je vais essayer de me caler, vous montrer. Là, il pourrait venir tout ça quoi.
Donc, on va regarder où ça pourrait être au niveau de la poignée. Voilà, si on peut faire quelque chose. Ok, donc c'est pas facile pour vous. Voilà, la graisse d'origine. Donc voilà, donc en fait il y a une espèce de carré là qui est là. Qu'on vient. Non, même pas ça, c'est juste la butée. Ah oui, elle est là. Ok, donc là, je vous allez pas voir, ça semble. En gros, ok. Est-ce que la butée, ça serait pas elle allumée? Ça me permettrait de. Je vais tourner encore un peu plus. Peut-être tout simplement. Si ça se trouve, il y a des mecs qui me regardent là, qui savent, de se dire, mais quel branleur. Ça, je dirais que c'est la butée. Wow, ok. Donc ça, c'est la butée. Donc si je fais ça, là, je peux aller sûrement plus loin. Ah, fais voir. Ok. Donc je pense que là, je suis à fond. Là, je suis à fond. Et ah ouais. Ok, donc j'essaie de vous le montrer. De vous le montrer. Donc je pense que ça serait la solution. En fait, si vous voulez, dans le trou là, il y a la butée. Là, vous voyez, là je suis ouvert et là ça commence à se fermer. Et en fait, là je suis à fond. Donc il faut que je lime environ presque l'équivalent du trou. Je pourrais pas faire le port à percer là, ça serait assez risqué. Ça serait, au final, j'aurais pu limite essayer sans la butée en fait, j'ai l'impression. Même si ça me la garde. Donc, ok. Donc, si je dévisse la poignée, j'ai deux. Ok. Ok. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué au final. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, j'accélère et tac, ça bute ici. Ici. Donc, je vais essayer de limer ça et refermer et voir si tout marche bien. Donc, d'après ma théorie, attendez, je focus. Voilà, je vais essayer de limer là. Je vais mettre un petit coup de marqueur et limer. On va voir si ça marche. Bon les amis, tant que j'y pense, vous me direz si ce format de vidéo et des petits tutos mécaniques comme ça, Vlogmeca, ça vous dit. Donc regardez, je suis assez fier de moi. Bon, j'ai pas trouvé la lime, donc je suis désolé pour les pros. Je l'ai fait à la perceuse. Donc en fait, j'ai enlevé tout ça quoi, d'ouverture. Je vous fais un petit focus, donc voilà, vous voyez là où c'est un peu plus large d'ailleurs. Donc voilà, j'ai ça, c'est la butée, on va dire, le guide est buté. Donc j'ai agrandi. Donc je peux vous montrer maintenant, je suis fier de moi, on va dire. Plus au final, c'est pas une opération aussi, j'avais un peu plus peur. Donc vous voyez, tac, je vais essayer. Je vais vous montrer de toute façon. Donc je vais vous montrer que là, j'accélère, 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 tac. Donc là, je suis en butée à fond. De toute façon, de ma poignée, et je pourrais insérer, il y a le trou. Et là, je vais vous montrer le carbu, il est grand ouvert. Je vais revisser ça et vous le montrer en live. Je vais essayer de vous montrer ça. Pas très pratique avec le trépied, je vous avoue. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, je décompresse même. Tac, on est d'accord. Hop, j'accélère. Là, vous voyez si c'est beau là? Là. Ok, et bien voilà, je suis très 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 content. Je vais remettre la vis supérieure. Je vais quand même essayer d'aligner, voilà. Et donc, je viens de débrider mon 88. Il reste plus qu'à tester, savoir, je vais remonter le carbu et savoir si vraiment ça a changé quelque chose. Allez. Bon les amis, je viens de remonter le carter, le carbu, tout nickel. On va aller essayer ça. Je vais me laver les mains quand même avant, me mettre un casque et je vais vous dire s'il y a vraiment déjà une réelle différence. Mettre le GPS aussi, parce que je savais à peu près. Mais je pense que ça va être surtout, on disait, dans les côtes et tout. Donc je vais faire quand même un micro-essai. Mais ça peut être qu'une bride et qu'une chose, c'est forcément mieux. D'ailleurs, c'est grâce à Vince si on a vu ça, quoi. Bon les amis, petit retour. Donc pour faire simple et court,
J'ai fait sur du plat, donc 5 mètres de dénivelé sur tout ce que j'ai fait. Donc c'est très peu. J'ai gagné un peu en, je trouve, j'arrive plus vite à ma Vmax, on va dire. Un peu en couple, quoi, pour faire simple. Après, sûrement que ça marche mieux sur de la montée, j'imagine. Pour la Vmax, pour dire, j'ai eu 53 GPS droit, tranquille, je veux dire, safe, pépère. 53 km/h GPS, alors qu'avant, j'arrivais à 50 max. Donc, il y a eu une légère gain. Donc, je vous invite à vérifier ça. Franchement, c'est vite fait. Vous avez vu, je vous ai tout montré en plus pour ceux qui ont ces poignées-là avec ce carbu. C'est easy. Ceux qui montent des chats, qui changent de carbu, vérifiez, c'est des petites bricoles. Mais perdre 10% d'ouverture sur un carbu 12, c'est énorme. Donc, je vous invite aussi après, moi, c'est ce que je vais faire, vérifier la vis de. Pardon, le gicleur de carbu, voire la bougie, la richesse. Donc, pour pas tourner trop pauvre, mais je pense que ça devrait le faire. Donc dites-moi surtout si vos tutos, ce genre de vidéos, tout ça, si ça vous plaît, si vous voulez plus de vidéos comme ça, si vous voulez plus de vlogs, balancez vos questions sur tout et n'importe quoi de mes projets bien sûr, parlez pas de la lune, et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, les pouces bleus, s'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt sur la route.